touchera. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur pour ta saison? Parce que tu es en train de démarrer une saison nouvelle. Et cette saison, tu la démarres avec l'Éternel des armées. Continue à prier, continue à prier, ton Dieu. Nous sommes en train de te dire un grand merci pour la parole que tu nous envoies ce soir. Père, étends ta main au milieu de nous parce que nous voulons en action. Parce que lorsque tu écris, c'est pour que ça se réalise dans nos vies. Et ce soir encore, nous sommes derrière ta parole pour te dire, sois la réponse de chacun de nous. Que ta grâce et ta gloire se manifestent. Parce que nous avons soif de tes actions, mais aussi nous avons soif de tes vivres. Nous avons soif de vivre l'accomplissement de ta parole en nous. C'est pourquoi, Père, nous sommes en train de t'acclamer avec nos ovations, parce que tu es le Dieu de l'accomplissement. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux saluer ton voisin et ta voisine pour leur dire que Dieu vous bénisse abondamment? Lobana bango nzamba sala bino bolamu na pokwa na lelo ponga pena kozwa bolamu. Est-ce que pesi bango mbote nesengo? Ah, amen, prenez place. Prenez place. Je veux dire à une personne ce soir, Christ va accomplir la parole pour toi. Christ va accomplir la parole pour toi. Parce que en soi, Christ, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais ce soir, il va accomplir la parole pour toi. Nous allons prendre deux textes bibliques. Le premier texte se trouve dans Matthieu. Matthieu au chapitre 21. Matthieu 21. À partir du premier verset jusqu'au neuvième verset. Et le deuxième texte, nous allons le trouver dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 9, le verset 9. La Bible nous dit exactement ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. » Nous sommes dans Zacharie au chapitre 9, le verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Que Dieu bénisse sa parole.
La réalité est que lorsque nous sommes dans les livres de Matthieu au chapitre 21, juste dans le chapitre 20 à la fin, la Bible nous montre que le Christ sort de Jérusalem. Il vient de Jérusalem et il descend, mais il arrive dans une ville qu'on appelle Bethphagée. Or, lorsqu'il est arrivé à Bethphagée, il a eu un désir. Et ce désir, c'est qu'il avait besoin d'un anneau. Yaya, amesana kotambola makolo. Mais ce jour-là, il a eu un désir qui s'est accompli. Et ce qui est en train de m'étonner, c'est que si j'étais disciple de Jésus à cette époque-là, j'allais simplement lui dire, viens. Comment annoter? Comment annoter? Qu'aucun de nous n'a été pote. Ça, là, on a mis son succès, même si l'anneau n'est pas là. Mais ce qui est beau, le Christ, pour une première fois, il manifeste qu'il avait un désir, et le désir s'est accompli. Je ne sais pas quel est le désir que tu as dans ta vie, mais je suis en train de prier le Seigneur que ce désir s'accomplisse. Parce que, accomplissement, on a dit ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit a été écrit pour qu'elle puisse s'accomplir dans nos vies. Quel est le désir de ta vie? On a posé un nid, Mikolo. Ti la fin de l'année. On a posé un nid. Jésus, une fois, il a eu un désir. Et le désir en question s'est accompli. Yango le loyon angato sambe la likambo yoza nango posa. Loko la peto ko loba, ce qui est écrit. Et ko s'accompli. Oyo yo ko senga lelo, et ko kisama nango. Ane oyo eko si la te, et ko kisama. Peut diront cette année, tu vivras la grâce venant de la part de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui accomplit les désirs de ses enfants. Il accomplit les désirs de son fils. Ce soir, il accomplira ton désir parce que tu lui appartiens. Tellement, il y a premier sujet de prière, toye nango. Mando bon de l'ensemble, lui simplement, j'ai besoin de ça et ça. Accomplis cela parce que j'en ai besoin pour ma vie. Est-ce que au bon de l'ensemble, je veux simplement voir une personne prier le Seigneur. Parce que la réalité est que lorsqu'on nous a introduits, on nous a dit qu'aujourd'hui il y a un miracle qui s'accomplira. Et ta parole, la prière que tu es en train de faire sortir ce soir, Ezobimisa un miracle. Y a-t-il une personne qui prie? Prions le Seigneur. Est-ce que tu as un désir que tu veux que le Seigneur puisse accomplir? Est-ce que tu as besoin d'une chose venant de la part du Seigneur? La Bible est en train de nous dire que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et le ciel est ouvert aujourd'hui. Le ciel est ouvert. La prière que tu es en train de faire aujourd'hui s'accomplira dans ta vie. Elle s'accomplira parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et fungo meli ona poko alelo. Elo nini angoza nango posa. Tombolo mongongwe pa ya nzambo yo bando bonde la ye. Merci Seigneur Jésus. Amen. Prenez place. Le loco bukanate. Le ciel est ouvert. Une prière venant de ta part sera accomplie. Et je prie. Nenka wozoloba amen wana accomplissement e bandolanda yo. Bien-aimé, ce qui était bizarre, non simplement le Christ demande l'anneau. Or, dans ses habitudes, il marchait de ville en ville, de village en village, mais il le faisait à pied, accompagné de ses disciples, mais aussi accompagné de personnes qui le suivaient. Mais ce jour-là, il sort de l'anonymat.
Il faut échanger. Pomikolo, tu es en train de sortir de l'anonymat pour la gloire venant de la part de Dieu. Il faut échanger. Jésus a meka discrétion balébélé. Parfois, il disait à ses disciples, n'en parlez pas. Ou encore, il disait aux gens, ne dites cela à personne. Mais pour une fois, il est sorti de l'anonymat. 2023, tu nous écoutes. Ndegonanga mobali na ya mwasi bako bimana anonymat. Parce que l'heure du changement a sonné pour leur vie. Bien-aimé, maintenant, tu es habitué à vivre de même chose. Mais pour cette fois-ci, ça ne sera plus la même chose. Ça sera le changement et la gloire venant de la part de Dieu. Que cela arrive dans ta vie parce que tu dis amen, que cette parole puisse s'accomplir. Est-ce que Nabokoyo yoka yaya mokwa mobali abete la nzambe siffle pour eko salama? Le natongo na meki siffle. Impossible. On salima lam lokolo beteli. Bien-aimé, il y a des gens qui te connaissent. Ils savent que tu es toujours le même. D'ailleurs, écoute, ma personne, on a combo arabe. Parce que lorsqu'ils te regardent, ils savent qu'après le cours, il ira à la prière, demain encore le matin. Il ira à la dévotion matinale, rien ne change. Il est toujours ainsi, rien ne changera. Personne ne va le booster, il restera le même. Basila ané oy. Basila ané oy. Oh, non simplement ces jours-là, le Christ a amené le changement dans son, dans sa propre vie. Mais la Bible est en train de nous montrer qu'il donnera un ordre à ses disciples pour leur dire, allez dans cette village qui est devant nous, donc Bethanie, vous trouverez un anneau attaché. Et lorsque vous allez arriver là-bas, détachez-le et amenez-le-moi. Si on vous demande qui en a besoin, vous répondrez simplement, le maître en a besoin. Jésus a envoyé ses disciples d'aller chercher l'anneau. Bien-aimé, or, anoana, il avait une promesse sur sa vie. Il y avait 5 siècles avant. La Bible est en train de stipuler que le Christ entrera à Jérusalem sur l'anneau. Quand la crise est battue, bah autant la anneau, bah romone ya pamba nzoka na katia bomo ina yebi laka na bilaka ezala. Mais la Bible nous montre que le Christ est venu accomplir la promesse que Dieu a fait pour l'anneau. Mikolo na osepela na anneau. Kanisa kangama batupe babwake lake mabanga batupe baseka kana bangoye nzoka ba oyé baté na chef ya anneau bilaka. Eza. Yango nzambe pe comment il pouvait faire une promesse sur l'anneau. Sur l'anneau. Anwanga ni afanda ne pepele. Na ye moko ayebite, batupe bakanga ye bazana mwa ba projet na bango. Peut-être ils se sont dit ye, a raté motala raté. Ye, to suki sai. Nzoka ba oyebate. Dans le chef de l'anneau, il y avait une promesse venant de la part de Dieu. Et c'est ainsi que nos vies parfois se présentent. Bah tu vas au talo bah au mono moi embendre moi au boye. Hein? À cause ça qu'on a vu na yo, à fingi yope, à sorceli yope, à sakani no d'habitude, à salier oyo ya lingi, à au mono d'embendre nzo qu'on a vu na yo bilaka bilaka bilaka. Là non. Avait des promesses venant de la part de Dieu qui devaient s'accomplir. Et la Bible nous dit, le Christ entrera avec l'anneau, Mukolwangwa, kota Jérusalem, na anneau. Et l'anneau, quel que soit ce qu'on a fait sur lui, quelles que soient les injustices ou quel que soit ce qu'il a subi, il avait des promesses. Qu'est-ce que tu es en train de subir? Aïe, aïe, Fanda Kimia, les promesses crieront fort.
que les injustices des hommes et des femmes. Ce soir, je suis en train de dire à une personne, il y a des promesses enfouies dans ta vie. Tu en es ignorant, mais sache que, quel que soit le temps, les promesses crieront plus fort. Les promesses crieront plus fort dans ta vie. Il y a la réalité. Tiens, mis sur les promesses parce qu'elles s'accompliront et elles crieront plus fort. Parce que toi, tu as des promesses. Tu as des promesses. Et parmi les promesses, le Christ est en train de nous dire, je suis venu enfin que mes brebis aient la vie, qu'il ait en abondance. Petit nanga mère nanga ya nanga mutunyo soto azali akobanga te. Et à 14 wabo moy, mozwango en abondance. Pona kolobete ya mabete ya bopikiliki. Oyo osimba vino pe okene nango liboso. Yango yo les promesses ne mentent jamais. Quand il y a une promesse, elle s'accomplit toujours parce que elle a été écrite. La Bible est en train de nous montrer à nos pépélés innocents. Et je crois que lui-même aussi s'est posé la question de savoir. Yango sort à vinanga ozalani. Comme toi. Parfois tu te dis, ah oui, perdez-moi, ne perdez-moi ka. Non, souk la ndengeni, bilake za. Na lobi na ndego moko bilaka eza. On a besoin de comprendre la kesa. Il faut que nous na équateur na gemena. Bangombe moko ba yemba kakuna grave. Banze mona bango ngondengo yokaka. Aya ya bilaka bilaka na yo masia. Olele bilaka na nkolo. On a besoin de surtout on a papa kondo. Oh, son démoni. Bilaka na nkolo changeté. Bien-aimé, je ne sais pas la réalité que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais je suis en train de te dire qu'il y a des paroles venant de la part de Dieu qui sont des promesses qui sont enfouies dans ta vie. Et koko kisama. Yangwana lelo, okotele makako lo mananzambe na lo sambo. Et koko kisama. Nandimi ete bilaka na vinange koko kisama. Nakosukate, mais ta gloire se manifestera pour accomplir des promesses. Est-ce que moko a comprendre nga? Yaya telema, bando bonde lanzambe, senga ye bilaka koko. Sama, est-ce que zo bon de la nzambe na yo? Les promesses s'accompliront parce qu'elles ont été écrites sur ta vie. Elles s'accompliront. Yango na kota la réalité, mais regarde ce qui est promesse de Dieu pour toi. La Bible nous en montre plusieurs. Tu as reçu des promesses venant de la part de Dieu par la Bible, mais tu as aussi des promesses venant de la part de Dieu. Oyo basakoli basakola pona yo azala kimia. Ce qui a été écrit s'accomplira. Ce qui a été écrit s'accomplira dans ta vie. Est-ce que zana moto azo bon de la nzambe? L'anneau avait sa promesse. Et cette promesse-là devait s'accomplir. Élève simplement ta voix, commence à prier Dieu. Ah, bando bon de la nzambe, ba promesse ko kisama. Esimba vina yo. Merci Seigneur Jésus. Fanda yaya toya qui semaine à prière et zalara à prier. Oh, le Christ devait entrer à Jérusalem. Mais pour qu'il arrive d'abord à Jérusalem, il devait rendre libre l'anneau et que les promesses de sa vie puissent s'accomplir.
Alors, tu es mal débrouillé. Parce qu'il doit d'abord te rendre libre. Parce qu'il t'a sauvé pour que tu sois libre. Pour que tu ne vives pas les promesses venant des familles. Ne vive pas des malédictions venant des familles, mais que tu vives la grâce venant de sa part. Jésus m'a cambou. Il n'y a aucun donné Jérusalem. Mais avant d'arriver à Jérusalem, il devait accomplir la parole sur la vie de l'anneau. Il devait les rendre libres parce que cet anneau-là, comme il était revêtu par des promesses venant de la part de Dieu, il devait être libre pour transporter le Messie. Et bon, il y a aussi ma Messie. Tu dois être libre parce que tu dois transporter les bienfaits venant de la part du Messie. Pour ceux qui ont pambola mika kandenga wana famille na bino bakoloba pambola malikolo na biso rien, il faut bango bakweya Messie akangola yo po yo opambola ma. Vous savez, il y a plusieurs personnes sur cette terre, ils veulent avoir la gloire sur nos vies. On ngam tuna sala ya koma boy, rien ya yo. Ma promesse bana na bato il faut kweya. Bien-aimé, Jésus, pour entrer à Jérusalem, il rend d'abord libre l'anneau parce que il travaillera dans la vie de l'anneau. Et ce soir, il veut travailler sur ta vie pour te dire, oyo baloba, ezala na butu, ezala na moyi fwe kweya. Oyo bakatela yo ya mabe zo suka. Oyo bakanelela yo ezo kweya. Parce que l'heure du Messie a sonné pour toi. L'heure du Messie a sonné pour ta vie. Balobani na ona fami. Balobani. Oh mon amour, sa cousine est en train de lui dire, eh, yo ko lukano mubali a jenite, yo po bala ozala na libala fo bala ka koko. Siko yo o bala jen, ngana ke nozwa engangola. Et puis na fami am. Toutes les jeunes filles du côté paternel, babala aka bavie. Ya souka bala abala tata moko aza mukolone ya 35 ans. Ya nini yango? Nabi ma petit fils na ye, oh petite fille na ye. Ya nini yango? Et puis ya yango azo confirmer. Une personne qui est à l'église, abi au mona famille na biso ngote. Bino kota papa na biso po vraiment bino bozwa mibali ya bien. Il faut ka bozwa ya mikolo. So ba bozwi ba gene simba te. Yepe mwana wa tuna yo zwa gene simba ndenge nini. Ngana ke nozwa mukolo. Alobi ate biso toza na droit, bino boza na droite qui donne les droits et qui ne donne pas les droits. Jésus a makam. Akende kop na ye nzonzingi na ye. Makoteli ano. Lelo azo kote la yo. Amen. Amen no wana ya. Lelo a décidé fwa kote la yo. Amen. Oyo batu baloba ifwe kweya. Oyo bakata ya mabe ifwe longwa. Parce que l'anneau devait être libéré avant d'accomplir de merveilles ou avant d'avoir la gloire venant de la part de Dieu. L'anneau devait être libéré. Baloba ninyang. Lelo eza musala Jésus. Alors, ce qui a été écrit est écrit. Lelo et kokisama. Pour yo, il faut kangolama. Avant yé, attendi sa vie na yo, nankembo. Est-ce que moko andimi yango? Ndenge yo ngimeli yango. Soko kotele motele mi, soko kofando fandi, mebeta kaka maboko. Bandolo bana Yesu. Bandolo bana Yesu. Bandolo bana Yesu. Que moi, tu accompliras tes merveilles dans ma vie. Est-ce que tu peux continuer avec la prière maintenant? Tombola mongongo, bando bonde la nzambe, akangola yo potangwa bikamwa yoko ya. Il ne pouvait pas utiliser l'anneau parce qu'il était enchaîné. Mais il devait délivrer l'anneau d'abord. Oh, y a-t-il une personne qui prie? Toi, tu dois être délivré. Les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, les lois ont pas katambangu, les lois ont kendebisika bikauka, parce que le Christ te promet, il te donnera sa gloire, tu profiteras de sa gloire. Mais aujourd'hui c'est le moment de la délivrance. Makambuni nyangwe kangama esila kate, a commence à prier. Il y a ano esila ka, il y a yopes aussi là. Mokoluango, ce qui a été dit sur l'anneau, et si là-bas, il y a eu un peu de l'eau aussi là.
Dis simplement au Seigneur, je suis venu profiter de miracles venant de ta part. C'est pourquoi je proclame ma délivrance. Je coupe toutes les paroles qui ne sont pas de toi, mais qui ont été prononcées à tort contre ma vie. Je coupe toutes les paroles qui sont en train de me poursuivre, ou le système de ma famille. Oh, bon de la Nzambe. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Ah, nakani saki ozo bonde là. Non, non. Le Christ devait d'abord délivrer la non. Et ce soir, il s'est dit, ta prière est en train d'être exaucée, parce qu'il est en train de te délivrer de toutes les malédictions et des paroles qui ont été prononcées contre ta vie. Abonde la yaya. Fanda yaya. Nana nana journée nanga moko soto silisi to bondeli to silisi to chema kaboto tuti te vambana mutu na mutu kote nae. Melanda nan avant to die. Oh, comme l'anneau avait des promesses, les projets des hommes ne pouvaient jamais se réaliser dans sa vie. À cause de simplement de ce qui a été écrit sur l'anneau. Pendant 5 siècles durant. Donc, banana bato bako kaki o sale le projet. Balinga ki ba longete. Pourquoi bako longete? Parce que le projet devait s'accomplir. Yango na yango yabisa yaya moko azali awa. Yo, bako longete à cause des promesses. Ce que Dieu a écrit sur toi s'accomplira. Yango ba yana liwa. Ba yana échec. Ba yana mpiaka. Ba yana maladie. Bako longete. Po yo ko longa bango. Bilaka ya Nzambe e kolonga koleka oyo bango bakati na kanisa ki na koyoka moto koloba amen me ya bien. Écoutez, si ce que les hommes pouvaient dire sur l'anneau ou penser sur l'anneau s'accomplissait, alors notre Dieu sera tenu pour menteur. Et on m'a kamususu yo monela passe parce que tu ne comprends pas ça. Tu as des promesses. Si ce que les hommes disent contre toi, ou leurs projets contre toi, s'accomplit dans ta vie, alors Dieu est aimanté. Kanisa, 5 siècles, et Kokisama, il y en a quel que soit le temps pour ta vie, ce que Dieu a dit s'accomplira. Parce que le Christ est ton accomplissement. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Bien-aimé, t'as là. Ah non, calme. Il n'avance jamais. Il ne fait rien de bon. Je pense aussi qu'il avait une vie qui était ennuyeuse parce qu'il était là sans rien faire. Mais un jour, les promesses se sont accomplies. Pour dire simplement, nani ngwa koti onso qui a salé lui au projet. Et si matin, pour na vie na yo, bilaka, il faut ekokisama. Bilaka. Il faut écouter ça, ma. Na vie abanana yo, bilaka, il faut écouter ça, moi. À moins que tu n'aies jamais eu de promesses venant de la part de Dieu. À moins que basakola po na yote, mais ce qui basakola, et okoki ça, ma. J'avais une bonne qui était terrible. Okutazo sur la bilamba, zo yemba va louange. Asala nyos, a yemba louange. Mkolomsu na tunye. Mama, qu'est-ce qui se passe avec ta vie? Alobi, eh, mama, moninga na boy. Kotala age na ngate na bilaka. Na bilaka.
Bilaka ngo si longtemps na nekoki samite. Na tikate pona na bilaka. Natalie ngangola ya mama. Elle comprend qu'elle a des promesses venant de la part de Dieu. Elle comprend qu'elle avait des paroles qui ont été prononcées sur sa vie. Et ngangola mama, akoyemba ba louange pour le bananzambe, j'attends. Au lieu de regarder la réalité de sa vie, mais lui regarde la réalité de la personne qui lui a fait la promesse. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données durant ces derniers temps? Maintenant, il y a un canelio. Lelo, bilaka ndeko kokisama. Et c'est pourquoi je suis en train de prier le Seigneur. Bilaka eko ma fouet contre toute personne qui se lèvera contre toi. Parce que aussi longtemps que les promesses ne se sont pas accomplies, nul ne tiendra devant toi parce que tu es un peuple rempli de promesses venant de la part de Dieu. Est-ce que Moutouan Dimiango, Yaya Yelanga Panyembango, à ta 500 francs, Lobananzambe Bilaka Koma Bafoué, Nanya Yelanga Panyembango, protocole, il faut courir. Eh? Balobi courir en français, Kima. Merci, ma'am. Yo yo monique bilake koko kisama. Eko beta batu ebele kusu kisabango. Yako chilango ofrande. Na pesi bino kabiso nyo so tu 3 minutes. Soki 3 minutes koki, ko yali susute. Soki 3 minutes koki, bongo na kosi yo. Ko tout ape moutoute koroneza. Moi je regarde par là. Long la kakiti yaya. Yo pe de miniti kokambang. Une minute et 30 secondes. Deux minutes et coquille. Si nous avions eu la Ligue ici, nous avons eu la Ligue ici. Nous avons eu la Ligue ici. Bilaka na yoe na yebi okopesa soki tangwe kokie na tomboli maboko na zozela hawaye tala yaya bilaka nzambe na bomo inwe koko mafuimbu yangwana sokeza na moto asali projet contre yo tika nzamba tele mana bilaka akitisela yango lokola conteneur et nie favina ye parce que les promesses s'accompliront et Christ est l'accomplissement de notre vie. Bien-aimé, écoutez, nous avons que loco Jésus a yeba quitté. Les disciples étaient en train de partir chercher l'anneau, mais le Christ les a avertis. Et on a battu bango tout na bango. Nous avons que anneau na passion yo akomona, azala ki na ba propriétaire na ye. Bawo bakanga yesinga. Bawo batika yesika moko. Ba yeba kateke mutu bango bakanga. Azala kana promesse mais bakangi ye quand même. Yango mingi na biso na bilaka na yo, bakanga yo quand même. Nani yango akanga yo? Ce jour-là, le Christ répondra. Si on vous demande, on vous pose la question sur ce que vous êtes en train de faire, dites-le, le Seigneur en a besoin. Nzoka bakolo ya ano bazalaki, mais zalaki pe na moko aleki bakolo ya ano na puissance, c'est Jésus. Je veux te dire ce soir, à cause des promesses de Dieu, il y a une personne à l'équipe famille Nabino Nanguya, à l'équipe moto Yazana Kanda Nanguya, à l'équipe moto Yalobela Yoma Loba Nanguya. Cette personne s'appelle Jésus. Il y a des gens qui peuvent te dire facilement, yo, Zana Mabou Nanga, yo, oh mon, ou on a pas au salatou, à Tchaba, tu vas surveiller, pour ma Lobane Kokisama. Ils peuvent aussi te dire, bonga, totalayo.
chance ba okoma ba aveugle te ba omono lero ko bonga po soki obongi nde ba komi ba aveugle po soki yo bongi ba ngo ba komi ba aveugle po tension il faut ezwa ba ngo na miso po ayebi na lingaki na ngai ete ya bonga melera bongi akuta nino pe en bon tu travailles. Je ne savais pas. Et tu roules même carrosse. Et je ne sais pas si tu es je me souviens de mon berger. Basi baboya ye baboya ye poazana na mbongo te baboya ye baboya ye ye baboya ye six fois mais basi ngonyo so toi lingaki bango na groupe de prière na biso kaniso zo ya na groupe de prière yo nde berger mais bana basi baboya yo six fois sango pe tambola wana lokola biso to zaki na ba secret na ye soka ye ka bomoni na bawa berger ba kubulio. C'est un terme que nous avons utilisé. Kubulio. Oh, petit ango kubulinga. On a tout yo kele mawa. Mawa. Mais mon colère à Senga Kaya Liboko, celle-là, elle est partie sans réponse pendant 2 ans. Nous avons 2 ans, on a ce qui lui a échappé. Le berger a commencé à travailler. Bacheli est un chauffeur. A comme on fait dans ma campagne. Yaya ma campagne, oh, yoye, l'élote, ma campagne, à l'obi wana. Po ya lelo to banga ngote me ya lobi owana ozo tambula na ma campagne ozo ye bate olongola sapatu to berger lokola c'était lui l'administrateur général pa akena zandu ko récupérer babilo ko ba fourniture à bureau nginga bakotani na mwana mwasi ya eh berger. Comment est-ce que tu es? Voilà ce que tu as dit, c'est là que tu es long. Comment est-ce que tu es changé? Tu as dit, berger, respirez le split. Calme, berger. Il y a un peu de temps que tu as dit. Et, je vais vous dire comment tu as ma campagne. Eh, berger, au comme il peut na bateau yo zo tindo comme ma chef. Eh. Si ko li asuka ne kaka na mama kambo azo zula ba. Eh, abandi. Eh bon li kambo na biso wana. Eh yo kutana na mutu ali kukuma na zandu mutu akola kiseli kala zate. Mazo peso réponse. Berger tala yo na malemba lobi. Ngakutu. Kote wana na zalaka lisusu te abaluki akei aye baba te bilaka zalaka yaya baye bite bilaka zalaka calme mikolo yo bil or bilaka il fallait ganga makasi koleka contre toute personne qui allait s'élever contre toi bien aimé. Nani angwaza la kankolono. Yo yeba kake nkolono ezanzambe. Mezana mutumoku waza la kankolono. Il tire des ficelles de tous les côtés pour que toi tu n'avances pas. Il fait tout pour que toi tu n'ailles pas de l'avant. O mona bo la mwa bo moite. Nani angwaza la kankolo. Eh, non ta la PR. Lelo, bisonaye. O yebi senana nkolo moko, Jésus. Yo lelo, na longoli yo musala. Na dégradé yo mais na bwaki obisika bikauka parce que nkolo na ngafwa zo place na vinanga. Y a-t-il une personne qui est d'accord avec moi? Azad d'accord? Telemela yaya oya za la kankolo azala na mboka azala na Kinshasa azala soki wapi o oboya kaya koma nkolo na yo le lolo sambo tombola mongongo. Encore noté. Brebis à la canne à Bancolo, là non.
Jésus a souki sa bango. N'a pas quoi l'élo, et un motomo qu'on a souka. Il y a un bois qu'elle a eu mauvais sort, azo souka l'élo. Il y a un canne la kayo, azo souka. Il y a un tungi sa kabo moina yo. L'élo est souka na ya beta maboko ya ya beta. Bakisa maboko bando bondela. Azo souka l'élo. Encore noté, tu as un chef qui répond au nom de Jésus. Et aujourd'hui, le chef est en train de se lever pour que tu vives sa gloire. Est-ce que ça n'a pas de bon de l'inzambé? On va qui se lui sous ma boque. Et ça là, il y a famille. Et ça là, il y a quartier. De partout, ton chef s'élève aujourd'hui. Y a-t-il une personne qui prie? La prophétie va s'accomplir quel que soit le temps. Notre Dieu va accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Parce que comme il l'a écrit, ça s'accomplira. Yangona yeoyo le bagaza chef, le loi zolongwa. Mon pepanguya na molimo mo santo ezo balayé le. Ezo balayé ye parce que l'heure de la gloire a sonné. Fanda yaya, on va payer fona tala air, pardon. Tala mukolo wango bakangoli, là non. Jésus était en train de partir à Jérusalem, mais bakamata nona, bazongi si yena bête fagé. Pour il fallait comme un transporteur d'état. Ah mais ma Jésus na vina ye. Ya mikolo o memaka ba Eva Jésus na vina yo. Balinga balinga te ba komono na Eva Jésus. Et les œuvres de Jésus ce sont des miracles qui sont palpables. Na yebi te mikolo yo ko memango. Ba yebi na bango. Ndenge yo mesana me mikolo yo. Ba vivre en life. Bazongi si. Ah non. Na Bethphage. Et pourtant, il était tout près de Jérusalem. Parce que Bethanie et Jérusalem, c'était proche. Mais Bazong, si il y a une bête fâchée. Tala, tant que nous sommes en Zambé, nous avons fait reculer. Nous avons fait reculer. Notre Dieu est fort en stratégie. Il y a un micro qui a cotisé une haute stratégie. Tu vas connaître à lui moi na terrain. Ah, t'as su qui ça y est. Nous aurons pas voyé battre. Aucun des nations ne m'occuperont na terrain avec gloire. Parce que là, tu commenceras déjà à vivre l'accomplissement venant de la part de Dieu. Que où ta Bethanie jusqu'à descendre à Bethphagé, c'était sans gloire. M'occuperont à Kamoa. Azouana biloko ya kanate. Balati si na bilamba batu. Il était mutasongi. Asengi bangote. Ma profite nango. C'est pourquoi je suis fière de te dire ce soir que tu profiteras de bienfaits sur cette terre venant de la part de Dieu. Moussousu okosomba kangote, okozwa kango kozwa. Parce que dans l'accomplissement des prophéties, il y a aussi des bonus venant de la part de Dieu. Et ces bonus, nabiloko yoyo kanate okozwa ngo. Yangona oyoyo ndi makate okosimba. Tika maboko ebeta masete pese langa yo ango onode. Est-ce que tu peux voir l'anneau partir en ville pour s'acheter des habits? Il n'en choisira même pas. Parce qu'il connaît le genre de habits qu'il met. Même Kolohane Zalara Yangote, Alata Yabana Nabatu. Balembelaye Palaki. Donc, il y a un loin à côté de la télémie.
po baganga ozana ba composer na kanisi ano abeta masolo na ba master ne abia yanga kutuma kambo na sutuki yango po ngana yebaki na ngama kambo ango te na mona kaka bato ango bazo pupulanga mu pepe na bi premier fois na vie ba pupulanga mu pepe ma signaler ba ngope master bazalaki na ba fleur na lango kutute po mkolongo na koma kalufundo mwente ebiso kimbongo yena biloko misoko liaka ngote oh ba dendo dendo oh non, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à malade, je suis allé bien aimé, je suis allé à la maison. Je suis allé à la staff à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Mbotwa munene batumba. Oh non non, j'aime ça. Mais ba yebi pe ko lingaka mutu ya Thompson. Mais mkolo wango bayele otikili ba mutu na bango. Oh lufundu kaka pona mbongo, lufundu te. Mais épisode da vie pe changeaka. Enga yani. Ah non, akana nete. Mukolowana profita ki nan kembo ko uta pa mokonzi parce que il y avait des promesses qui devaient s'accomplir dans sa vie. Alors bi mukolowango akota ne sengo likolo ya no atamboli likolo maputa. Wana palobeli ba master ne yaya osio yoka solo maputa bana batu. Ya mama wana kwe solo liputa ne zalaki kitoko te mais ya mère mopila. Ari nana tambola nango. Yango mikolo yo na bebe sa makolo nangata. On a un apôtre à ma puta. Mais ce qui est bizarre, Jésus a outi une bête fagée, épisode Moussous, à Zongine Kota Betani. Ah non, à Kokato Lobaya, à Kotikanga Wate, Maniokolanga Kotoyo, Kotikanga Te, Nzoke Loko, à Noye Bakite, la victoire a été ouverte pour sa vie. Nzamba Kotikote na Oyo sur Bandier Longo na yo. Jusqu'à la victoire finale. Yango, chaque jour qui s'élèvera, tu vivras la victoire venant de la part de Dieu. Tu profiteras des grâces venant de la part de ton Dieu. Chaque nuit, tu chanteras des louanges venant de la part de Dieu parce qu'il t'a visité et il t'a fait du bien. Parce que devant ta vie, il y a la victoire qui s'élève, mais il y a aussi l'accomplissement des promesses qui vont se manifester. Jésus a kangolié. Alati siye bilamba sika. A memiye na bet fache. A leki siye bete betani. On a parlé bina bana mai. Nga moutwa pamba pamba te iji muntu mukwabu. Parce que nga, tu ne peux pas te jouer de moi. Ma souki siye wanate. A memiye jusqu'à la gloire à Jérusalem. En ceux qui sont en zélate. Parce qu'il a écrit, il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu vives l'accomplissement de ce que lui a écrit. Il ne te laissera pas. Et on a l'ingina consolé de comment quoi zolé là. Il ne te laissera pas. Il n'a pas abandonné l'anneau. Et bon, il ne t'abandonnera pas. Il t'amènera jusqu'à Jérusalem. Donc, ah non, à côté de Jérusalem, à côté de la canisipe na Kaïf, à côté de la Pilate, pour Jésus, ben, c'est l'angoua le kelagi yangoana. À tel le kaki yangoana ma colonne, à canisi, ma disciple, bago memano. Il fallait au tika yé. À la côté, kuno moni koto yé gokoufanjo, ka la victoire était devant Jésus. Bien aimé, le Christ est ton accomplissement. Il ne te lâchera pas. Jusqu'à ce qu'il accomplira ce qui a été écrit pour toi. De toutes les façons, il débrouillera pour que ce qu'il t'a dit s'accomplisse. Il a délivré l'anneau. Toi, il t'a délivré, mais pour la victoire. Télémato bon de l'Anzambé, Yaya. Télémato bon de l'Anzambé. Est-ce que tu as comme l'impression que le Christ t'a délaissé? Aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il ne te délaissera pas. Est-ce que tu as comme l'impression que les promesses sont en train de durer?
Je te dis, ça s'accomplira. L'État n'effacera jamais ce que Dieu a promis pour ta vie. Est-ce que moi, quoi que je sois en merci à cause de sa fidélité? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tombola mongongo. Tombola mongongo, yaya. Aosu qui son anzelate, jamais. Jamais. Il t'amènera à la gloire. Il a amené l'anneau à la gloire. Il a accompli les promesses qui étaient enfouies dans la vie de l'anneau. Il t'amènera à la gloire. Bandaka kotombo lanzambe na yo. Peut-être que les choses ne se sont pas pensées comme toi tu les as planifiées, comme toi tu les as pensées. Mais aujourd'hui je te dis, il débrouille bien pour nous faire du bien. Et cette personne qui débrouille bien, c'est Jésus. Élève simplement ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, commence simplement à élever Dieu dans ta vie. Parce que ton temps a sonné. L'air a sonné pour que tu vives sa gloire. Est-ce que tomboli mongongo na yo? Est-ce que tomboli mongongo na yo? Tombola mongongo bando bonde la nzambe. À proclamer la gloire dans ta vie. Est-ce que tu proclames la gloire dans ta vie? Dis au Seigneur merci parce que sa gloire se manifeste dans ta vie. Sa gloire se manifeste, la gloire de l'accomplissement se manifeste ce soir dans ta vie. Yo benga kinga ponasuka nanzela ten nakoma kino nasuka yango bembo nanga bongo yo laka kingai ete yo kotika ngai te ete yo Non, non, il ne te lâchera pas. Il t'a promis. Il t'a promis, il accomplira sa parole. Sèche simplement tes larmes. Parce que ce qui est écrit est écrit. Et ce qui a été écrit s'accomplira. Elle s'accomplit ce soir dans ta vie. Yes, sir.
côté de toi. Ba toi ranger na yo. Bando bonde la pona bango. Le ba notre ère de l'accomplissement a sonné. Nous allons vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Yango loba pe na nzambe oyo yo lobe ko kisama na vina nga lelo. Tombola mongongo bando bonde la pona bango. Est-ce que zo bonde la pona bango? Zo bonde la pona bango. Non non. Ta famille n'empêchera jamais à Dieu d'accomplir ce qu'il a pensé pour ta vie. Même tes amis, même batwa mokilio yo ba ope ki sanzambe te. Batilo bomo inanga. Natina yonkolo. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? A tombola mongongo monde la nzambe na yo. Lève simplement tes mains devant le Seigneur. Il a accompli les promesses qui étaient enfouies dans la vie de l'anneau. Aujourd'hui, il est en train d'accomplir les promesses qui sont enfouies dans ta vie. Laisse que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie cette soir. Et bando fungo la ba promesse oyo e bon mama. Et bando faire éclore les promesses venant de la part de Dieu. Les paroles qu'il t'a promis. Que ça commence à s'accomplir maintenant. Oyaya tombola maboko non zamba kokisa. Na latisi yonguya y accomplissement. Yamba accomplissement parce que tangwangwe koki. Dieu est en train d'accomplir. Il est en train d'accomplir sa parole en toi. Si les mers se déchaînaient, sa parole restera oui et amen. Elle s'accomplira dans ta vie. Même si la réalité est en train de te dire impossible, ce soir, il y a un Dieu qui tient le règne de ta vie. Il est en train de rendre possible l'impossible. Parce que l'heure de l'accomplissement a sonné. Papa, papa, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Pour l'anneau, l'impossible est devenu possible. Pour nous aussi, c'est possible aujourd'hui. Que la force des promesses s'élève aujourd'hui. Et que le Dieu fidèle à sa parole s'élève. Tu m'as promis. Parce que lorsque toi tu t'élèves, tu viens pour donner la victoire à ton peuple. Tu as donné la victoire à Jésus en accomplissant la promesse qui a été faite sur sa vie. Et devant les yeux de nos ennemis, tu nous donneras la victoire par rapport aux promesses. C'est pourquoi ce soir encore nous venons près de toi pour te dire, nous avons confiance à ta parole. Tu m'as promis aussi. Parce que les fidèles, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu m'as promis.
Que ta grâce s'élève et se manifeste. Et que ton amour embrase chacun de nous. Et que nous puissions sortir d'ici victorieux avec l'accomplissement dans nos mains. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Si Balaam et Balak n'ont pas pu anéantir Israël, parce que les promesses ont crié plus fort. Et ce que tu avais écrit pour ces peuples s'est accompli. Aujourd'hui, tu nous as montré que l'anneau aussi avait ses promesses et tu les as accomplies. Ce que nous aimons avec toi, Père, ce que tu as écrit dans ta parole s'accomplit toujours. Et cette semaine, nous sommes en train de bénir ton Saint-Nom parce que tu t'es levé au milieu de nous sous le signe de l'accomplissement. Tu accompliras ta parole dans nos vies. Quel que soit ce que les hommes et les femmes veulent faire contre nous, toi, tu accompliras ta parole. C'est pourquoi, Père, ne permets pas que les hommes et les femmes aient du succès dans la vie de mon frère et de ma sœur. Permets à ce que ta parole soit élevée et que nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Qu'à chaque instant de notre vie, nous puissions dire, il est écrit, et ce qui a été écrit s'accomplira dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans la vie de chacun de nous, dans le précieux nom de Jésus. Et que ton amour fasse accomplir ta parole dans nos vies, jour et nuit, et à chaque instant. Peuple de Dieu, que la main du Dieu puissant te conduise jusqu'à l'accomplissement. Mais cet accomplissement, que ça aboutisse à la gloire, comme il en était le cas pour l'anneau. Parce que toi, tu iras de gloire en gloire, de bénédiction à bénédiction, d'élévation en élévation. Et les bénédictions de Dieu crieront plus fort dans ta vie, et nul ne les arrêtera. Parce que ça ne sera que l'accomplissement des promesses et de la parole de Dieu. Que sur cette terre, tu sois heureux. Amen. Que tu vives dans la joie, Amen. Mais aussi dans la victoire. Vos âmes paix, que la grâce de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons tous ensemble, Amen.